Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un gratin de courgettes avec des pâtes. Bon, si vous ne comprenez pas, suivez-moi. C'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de mozzarella, crème fraîche, 3 courgettes, 1 demi-kilo de pâtes et du gruyère râpé. Une fois que ça bouge, ajoutez les pâtes. Attendez que ça reboue et puis mettez le temps indiqué sur le paquet. Une fois avoir coupé les courgettes en deux, dans la longueur, je viens vider les courgettes. Dans un plat où je mets les pâtes, je viens ajouter la crème fraîche et le gruyère râpé et je mélange tout ça à la marée. Dans un plat huilé à huile d'olive, je mets mes courgettes vidées et je viens mettre un mélange de pâtes, gruyère et crème fraîche qui va dans le trou de chaque courgette. Pour la couper, je vais faire le contour, je vais le distribuer sur le courgette et je vais faire un effet. Je vais vous jouer un peu dans le cerveau. Je vais faire un mini dernier, je vais vous donner le gruyère râpé. Et vous connaissez bien, elle est affolée pour ça. Enflammer tout ça à 180 degrés pendant 30 minutes au four de 20 minutes. Voilà.